Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez 15h24. Bonjour Karine, ravi de te retrouver. Bonjour François, ça faisait longtemps. Trop longtemps, mais c'était normal. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Après 7 semaines de confinement et à 7 jours du début du déconfinement, Édouard Philippe vient donc de présenter son plan national devant le Sénat qui doit voter à l'issue d'un débat, comme ce fut le cas mardi dernier, à l'Assemblée nationale. Alors a-t-il réussi à calmer les inquiétudes? Elles étaient nombreuses depuis une semaine et la présentation de ce plan à l'Assemblée. Il y avait les inquiétudes concernant l'école, celles venant des maires et des parents. Il y avait les inquiétudes sur les transports, sur la reprise du travail en entreprise. Toutes ces questions autour des masques, y aura-t-il assez de masques, leur prix, leur encadrement, la vie culturelle, le deuxième tour des municipales, la vie culturelle. Un peu tout quoi. Un peu tout. Le Premier ministre a balayé tous les sujets. Alain Duhamel nous a rejoint en plateau. Bonjour Alain. Bonjour. Il y a une semaine, on avait parlé de ce déconfinement à minima présenté par Édouard Philippe. Qu'avez-vous pensé de ce niveau discours cette fois devant le Sénat?